Bonjour et bienvenue à cette troisième émission. Comme je l'avais déjà dit, cette vidéo fait partie d'un triptyque, trois vidéos parlant de l'histoire et de la culture japonaise. Après avoir parlé du Japon médiéval, aujourd'hui nous allons parler du Japon moderne à contemporain. Après l'unification du Japon menée successivement par Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi puis Tokugawa Ieyasu, le Japon rentre dans l'ère Edo. Tokugawa Ieyasu instaure alors un nouveau shogunat et le Japon du coup va devenir isolationniste, mais il va commencer à se moderniser. Après la bataille de Sekigahara, Tokugawa Ieyasu vainqueur procède à une vaste redistribution des terres, favorisant les alliés et établissant des compromis avec les vaincus. La structure militaire du Japon est ainsi remodelée. Cette époque marque ainsi une tendance à la prudence pour les daimyo, car les batailles sont plus meurtrières, plus décisives, provoquant des chutes définitives de clans, tels les Shosokabe détruits en 1601 et les Toyotomi en 1615. Ainsi, l'époque d'Edo sera une période de stabilité, appelée la paix d'Edo. La politique est proche d'un système international, mais au sein d'un même pays, où chaque province autonome se gère grâce à leur daimyo, mais chacun d'eux sont sous l'autorité du shogun. Comme le pouvoir se répartit entre le bakufu et les plus de 250 fiefs appelés han, on utilise le terme de bakuhan. Pour maintenir cette paix, le bakufu impose la venue à Edo des daimyo la moitié de leur temps, que ce soit 6 mois sur 12 ou 1 an sur 2. Toute l'élite militaire est ainsi invitée à s'installer à proximité du shogun. Cela a plusieurs effets. Tenir proche les daimyo fait également venir nombre de leurs bushi possédant des terres à leur service, obligés de se déraciner aussi pour suivre leur seigneur. Ne pouvant administrer leur fief tranquillement chez eux, cela rend impossible toute possibilité d'organisation de révolte ou de contre-pouvoir. De plus, une partie de la famille du daimyo doit vivre en permanence à Edo, notamment son héritier, ce qui est ni plus ni moins qu'un système d'otage, là aussi pour éviter tout système de révolte. La paix d'Edo se maintiendra ainsi pendant 250 ans. Le système monétaire Tokugawa se met en place dès 1601 et permet au Japon de se sortir de la dépendance des pièces en bronze de la monnaie chinoise. Il comprend des pièces d'or, d'argent et de bronze. La pièce la plus forte est le koban, d'une valeur d'un ryo. Le ryo est la valeur monétaire permettant d'acheter du riz pour une personne pour 4 ans. Si vous vous demandez du coup combien pouvait coûter un katana à l'époque, sachez que les prix variaient énormément selon la qualité, la plupart des lames valant entre 1 et 10 ryo. Mais une bonne lame pouvait coûter 20 à 30 ryo. Ne parlons même pas des armes exceptionnelles payées par les plus puissants dont les prix explosent plusieurs centaines de ryo. Au XIIe siècle en Chine se développe le néo-confucianisme, une école de pensée dérivant du confucianisme et insistant sur les notions de piété filiale et de loyauté envers le suzerain. Introduit au Japon durant l'époque Kamakura, c'est surtout au début de l'époque Edo que le néo-confucianisme se fera une place majeure en devenant la doctrine officielle du bakufu Tokugawa. Durant l'époque Edo, se voit à nouveau développer l'agriculture, mêlant cette fois les avantages d'un meilleur rendement de 50% et de l'extension des terres cultivables de 30%, les productions sont bien plus importantes, ce qui est devenu indispensable car la population va plus que doubler durant l'époque Edo, passant d'environ 15 millions en 1600 à 31 millions au recensement de 1721. Malgré ces améliorations, cela ne suffira parfois pas aux 18 et 19e siècles qui subiront plusieurs grandes famines. Les facteurs sont multiples, provoqués par des mini-âges glaciaires qui vont provoquer des mauvaises récoltes. Il y a également l'éruption du volcan Asama en 1783. Ces disettes toucheront principalement les plus pauvres, qui auront une mortalité très importante. Le système social de la période Edo se structure selon la hiérarchie confucéenne de classification des individus selon leurs origines sociales et métiers. Ce système, appelé Shinokosho, découpe la société en quatre tranches. Au sommet se trouvent les bushi, comprenant du daimyo au plus petit homme d'armes, en passant par le samouraï. Suivent les paysans, dont les impôts payés en riz financent les bushi et daimyo. Viennent ensuite les artisans, et en dernier, les marchands. Ne sont pas incorporés dans ce classement le tenno et sa noblesse de cour.
pas plus que les États, parias et innin, les criminels et mendiants rejetés de la société. Dans les faits, ce classement va être beaucoup perturbé au cours de l'époque Edo. Certains marchands vont développer un système économique et faire fortune, bien au-delà de nombreux bushi, formant ainsi une nouvelle bourgeoisie urbaine. Les bushi, à l'inverse, par manque de conflits durant cette période, s'appauvrissent et se reconvertissent parfois en parallèle dans la culture des terres ou dans l'administratif. Les nombreux soucis climatiques, inondations de cultures, séismes, éruptions qui mettent à mal les cultures, mettent aussi à mal les finances des daimyo, car les impôts sur les récoltes ne suivent pas. Pour pallier à ça, un changement dans le système fiscal sera appliqué, mais impactera la paysannerie qui se verra clivée en différentes classes s'en sortant différemment financièrement. Ainsi, malgré la paix d'Edo, l'époque ne sera pas exempte de problèmes et plus d'un millier de jacqueries, des révoltes paysannes, mais aussi des révoltes urbaines, éclateront localement. La tendance est à la surdépense, on flambe son argent plus qu'on en a et on accumule d'énormes dettes. Des monnaies parallèles vont être créées par les daimyo provoquant des inflations, et du coup, les turbulences monétaires vont être un autre gros problème de l'époque Edo. Si à la fin du XVIe siècle, les Japonais apprennent des Coréens et des Jésuites l'usage des caractères mobiles pour l'imprimerie, c'est en réalité l'utilisation des planches gravées, technique bien plus ancienne, qui va se développer car on peut y associer lettrage et image. À partir du milieu du XVIIIe siècle, quand l'édition commerciale se répand, ainsi que le développement des écoles, l'illettrisme va fortement reculer, même dans les campagnes. Une proto-industrialisation se met également en marche dans le pays. On fabrique des produits de luxe et des articles de la vie quotidienne qui se vendent très bien en ville. Deux modes de production principaux sont mis en place. Mochi mochi mochi, umai mochi da yo. Alors certes, l'époque Edo n'est pas dénuée de problèmes, mais la paix d'Edo permet une formidable croissance artistique et culturelle, reprenant du coup le modèle et les classiques de la faste époque Heian. L'époque Edo innove, perfectionne. Des quartiers de plaisir se dressent, notamment le Yoshiwara à Edo. Les bains, bordels, théâtres ne désemplissent pas et attirent tout public. La vedette est la courtisane, artiste possédant de nombreux talents, de la musique à l'oreiller. C'est l'âge d'or des geisha, littéralement personne d'art, dame de compagnie. Loin d'être de simples prostituées, dont les faveurs ne sont d'ailleurs pas systématiques, elles sont l'image du raffinement artistique dans la musique, la danse, l'art de la conversation ou les jeux. Nulle barrière ne réglemente le comportement sexuel. L'érotisme se répand dans la littérature et l'art graphique. C'est une période hédoniste. On flambe son argent et on profite. Dans l'art se développent les ukiyo-e, les estampes japonaises, qui nécessitent une succession de trois personnes pour les réaliser. L'artiste qui dessine l'œuvre, le sculpteur qui la reporte sur bois et l'imprimeur qui applique les encres sur le bois et crée l'estampe sur papier. Malgré ce travail commun, on ne retiendra que le nom des artistes initiaux. Vers 1760, Harunobu fait marquer un tournant dans les estampes avec les estampes de brocart, plus riches en couleurs et détaillées. Il sera également le seul à représenter une ombre sur une estampe unique dans l'art japonais, celle de la jeune fille contemplant son ombre, alors que l'art japonais ne prend jamais en compte les sources de lumière et les ombres. Les artistes les plus connus dans le monde sont Hokusai, qui a réalisé notamment les 36 vues du mont Fuji, qui sont en fait 46 estampes, dont la célèbre vague de Kanagawa. Mais aussi Hiroshige et ses 100 vues d'Edo. C'est également à Hokusai que l'on doit le terme manga, signifiant croquis ou caricature. Les carnets de croquis d'Hokusai sont les premiers dessins du genre qui vont se démocratiser par la suite et être très utilisés au début du XXe siècle dans les affiches, les publicités et les premières BD dans les années 20. À l'époque Edo, le Jujutsu est l'art martial qui regroupe les techniques de combat des samouraïs. Elles apprenaient aux samouraïs et autres bushi à se défendre s'ils se faisaient désarmer sur le champ de bataille. En opposition avec le kenjutsu, la technique du sabre, qui apprenait le samouraï à se battre au katana et au wakizashi. L'origine du théâtre kabuki daterait de 1603
lors des spectacles religieux de la prêtresse Okuni, qui présentait une séquence déguisée en homme en train de prendre du bon temps dans un quartier de plaisir. Quand elle vint à Edo faire ses représentations, elle inspira de nombreuses prostituées à monter également sur scène, dont ce Yujo Kabuki, Kabuki des prostituées, devint extrêmement populaire. Des kabuki d'hommes commencent à apparaître, puis l'ouverture de théâtres dédiés aux kabuki. Mais pour lutter contre les mœurs dissolues du monde des acteurs, en 1629, un édit du shogun interdit aux femmes de jouer dans un kabuki. Les rôles féminins sont dès lors interprétés par des hommes se travestissant, appelés onnagata. Ce théâtre populaire d'un nouveau genre inspirera de nombreux artistes qui iront peindre notamment les acteurs. Le jeu en lui-même était inspiré de légendes épiques, d'histoires fantaisistes ou même parfois plus réalistes. Dans la même période se développe aussi le théâtre Joruri, où un narrateur raconte une histoire accompagnée au shamisen et au taiko comme instrument. Parlons vestimentaire et le fameux kimono qui est un vêtement sans poche. Alors pour transporter diverses choses ont été utilisées les inoro, petites boîtes compartimentées généralement en bois ou bambou, puis laquées et décorées. Bien qu'existant depuis le XVIe siècle, c'est au cours de l'époque Edo que les inoro seront de plus en plus ouvragés. Pour les maintenir attachés, une cordelette les relie à un netsuke, petite figurine sculptée en bois ou ivoire, qui sert de taquet au niveau de la ceinture du kimono. À la fin du XIXe siècle, avec l'introduction de la mode occidentale, kimono et donc inoro seront de moins en moins utilisés. De nos jours, ces pièces d'époque sont de coûteux objets de collection pouvant s'arracher jusqu'à plus de 50 000 euros. En 1614, le shogun interdit le christianisme. Les jésuites sont chassés ou tués et les églises de Kyoto détruites. Les habitants doivent faire preuve désormais qu'ils renient le christianisme, forçant les fidèles à s'organiser et se cacher, d'où leur nom de chrétiens cachés. En 1637, la rébellion de Shimbara contre le shogun sera violemment réprimée et fera plus de 40 000 morts chez les chrétiens. En 1618, il n'y avait que deux ports ouverts aux étrangers, Nagasaki et Hirado. Mais l'époque Edo voit se développer une politique extérieure de fermeture. Entamée dès 1639, elle devient définitive en 1641. Le Japon coupe le contact avec l'extérieur, c'est le Sakoku. L'expansion des Espagnols, Portugais et Hollandais en Asie rend délicat les relations. Plus aucun étranger n'est autorisé à poser le pied au Japon sous peine de mort. Cela dit, cette fermeture politique réduisit mais n'arrêta pas les échanges commerciaux, en particulier avec la Compagnie des Indes orientales néerlandaises par le port de Dejima. Ni l'expansion territoriale. En 1623, la mainmise sur les îles Ryukyu, dont fait partie Okinawa, permet d'établir des relations privilégiées avec la Chine. Après 1000 ans de bouddhisme placé au rang de religion d'État, le début de l'époque Edo marque un retour à l'intérêt des textes anciens et particulièrement le Kojiki. En 1868, ce texte servira de support idéologique pendant la restauration impériale, le Shinto devenant religion d'État et le restera jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1701, un groupe de samouraïs perd leur daimyo, condamné au seppuku par le shogun suite à une accusation d'agression de Kira Yoshinaka, alors maître des cérémonies de la maison du shogun. Malgré l'interdiction des vendetta, 47 d'entre eux souhaiteront se venger de la mort de leur maître et seront connus sous le nom des 47 Ronin. Mettant 2 ans à préparer leur plan, attendant que la surveillance relâche, le groupe s'infiltrera à Edo en toute illégalité et montera à l'assaut de la maison de Kira. Ils élimineront 16 gardes de Kira sans subir aucune perte et trouveront le responsable de la mort de leur maître caché. Ils auront leur vengeance en le décapitant et amenant sa tête en offrande sur la tombe de leur maître. Sachant très bien ce à quoi leur action illégale les condamnait, ils acceptèrent sans sourciller la sentence du shogun, qui leur autorisa à se pratiquer le seppuku comme de vrais guerriers. L'histoire des 47 Ronin est une histoire d'honneur, de loyauté et de sacrifice les plus célèbres au Japon, et qui servit de référence à de nombreux tableaux ou pièces de théâtre kabuki. Les maîtres et les 47 Ronin sont toujours aujourd'hui enterrés au temple du Senkaku-ji de Tokyo,
et des offrandes y sont toujours déposées régulièrement. Malgré sa politique de fermeture, le Japon est obligé de reconnaître la menace que représente l'Occident tout autour de lui en Asie. À partir du XVIIIe siècle, entre les accidents provoqués par les Russes au nord, les Anglais au sud, ou encore la guerre de l'opium qui oppose la Chine avec les pays occidentaux, le Japon est obligé d'envisager la possibilité d'un conflit avec les puissances occidentales. La fin du Bakufu, ou Bakumatsu, est une crise couvrant une quinzaine d'années à la fin du XIXe siècle. Dès 1853, le Japon voit débarquer une flottille de 4 navires du Commodore Perry. L'aspect étrange et noirci de fumée des navires fait ressurgir dans l'esprit des Japonais une vieille légende à propos d'une invasion de barbares à bord de navires noirs. Perry profite de cet effet mystique en restant à bord une semaine avant de débarquer à grand bruit de canonnade. Ses revendications sont l'ouverture des ports japonais pour le commerce. Les Japonais frileux ne font pas un excellent accueil et rejettent les Américains au même titre qu'ils avaient déjà rejeté les Russes peu de temps auparavant. Perry repart, promettant de revenir négocier un an plus tard avec une escadre plus nombreuse. En 1854, il revient avec 7 navires, débarquant à nouveau dans la baie d'Edo en tirant en l'air à coups de canon, en jouant l'hymne américain. La menace à peine voilée est claire. Les Japonais se font plus conciliants et finalement, contraints et forcés, est signé le traité de Kanagawa qui ouvre 2 ports. Premier des traités inégaux que le Japon signera avec des puissances étrangères. D'autres suivront, comme avec les Britanniques ou la France, où le Japon se retrouve obligé de faire des concessions avec les Occidentaux. Le Japon constate l'avancée technologique considérable des Occidentaux, du coup la question d'une réforme militaire devient prioritaire. Il s'agit de moderniser l'armée pour pouvoir tenir tête aux étrangers. Un courant politique, le mouvement Joi, littéralement « chassons les barbares », prône même de frapper en premier et d'expulser les étrangers des ports. Beaucoup de samouraïs parmi les plus élites des bretteurs soutiennent cette vision. Mais face à l'écart de technologie avec les Occidentaux, le mouvement sera plus ou moins écarté, non sans que plusieurs accidents locaux n'aient lieu avec les Occidentaux. Dans les esprits, entre la noblesse xénophobe formée de 140 familles de kuge autour de l'empereur, ou encore les daimyos de l'Ouest qui veulent faire tomber le bakufu, et le shogunat qui essaye de composer tant bien que mal avec ses accords avec les étrangers, tout cela provoque un fort clivage au niveau du gouvernement et du Japon en général. Dans les faits, toutes ces instabilités sont en train de faire imploser le bakufu. Celui-ci tente un compromis avec la cour qui s'avérera vain. La résidence alternée des daimyos à Edo finit par être raccourcie. Et en 1867, sous la pression des provinces de Tosa et de Satsuma, qui veulent refondre le gouvernement et redonner le pouvoir au Tenno, le shogun abdique, acceptant une simple place dans le gouvernement. Mais cela ne suffira pas. Les troupes de Satsuma, Tosa, auxquelles se joindra Shōshū, marchent sur Edo. C'est le début de la guerre civile qui en 1868 sera nommée guerre de Boshi. La Grande-Bretagne soutiendra le camp impérial, tandis que la France soutiendra les forces shogunales en les entraînant. Le shogunat sera mis à bas, marquant la fin de l'époque Edo. Me? I just have to find Commander Cody? ええ、でもあなたはそれをなしとげません。Why? 日本の力に欠かされてるから。I found it. Commander Cody is here. は?何? So, me and America win forever. うるぜ、アメリカ弁。Après la défaite sur Honshu, les troupes shogunales se replient à Hokkaido et fondent la République d'Edzo. L'un des instructeurs français d'artillerie venu former les troupes shogunales refuse de rentrer après la défaite conformément aux ordres et se joint aux troupes à Edzo. Il s'agit de Jules Brunet.
estimant qu'il s'agit de son honneur de ne pas abandonner le shogun et ses fidèles samouraïs qu'il avait instruits, il devient conseiller du ministre de la guerre et reprend l'instruction des soldats. Si les armées de la République d'Edzo se fortifient, les troupes impériales arriveront néanmoins à percer les lignes et à mettre fin à la République qui aura duré à peine 6 mois. Le 18 mai 1869 marque la fin de la guerre de Boshin. Jules Brunet sera évacué de justesse en secret par les Français. Son histoire inspirera le personnage de Tom Cruise dans le film Le Dernier Samouraï. Dès la fin de la guerre de Boshin va s'enclencher un renouveau politique avec une centralisation du pouvoir et la création d'un gouvernement national. L'empereur déplace sa cour à Edo, qui est renommée Tokyo, capitale de l'Est. Cette période qui durera de 1868 à 1912 est appelée ère Meiji ou restauration de Meiji car un seul Tenno y régnera. Le processus d'unification politique qui s'engage au Japon est très semblable à celui qu'a subi l'Italie ou l'Allemagne à la même époque. Les quelques 250 principautés territoriales ne sont pas prévues d'être détruites, mais sont intégrées au Japon unifié. En effet, peu après le conflit, elles commencent déjà à s'auto-dissoudre. Très vite, les daimyo sont mis à l'écart du gouvernement de leur propre principauté. En remplacement, on leur offre une place dans l'aristocratie avec quelques avantages. Ainsi, de nombreux titres de noblesse sont créés en 1885, mais ce changement marque la fin des daimyo. Les principautés seront vite transformées en préfectures. Au nombre de 307 en 1871, elles fusionneront avec le temps jusqu'à arriver au nombre des 47 préfectures actuelles. L'ère Meiji voit surtout l'industrialisation galopante du pays qui va en l'espace de 30 ans le propulser quasiment au niveau des puissances occidentales. Car tels étaient bien les tracas qui ont mis fin à l'époque Edo. Le Japon devait être capable de se hisser militairement au niveau des puissances occidentales. Et à cette ère, il y arrivera avec succès. La première ligne de chemin de fer est posée en 1872. Le télégraphe étendu à tout le pays avant 1885. Les mines et des aciéries sont développées. Mécanisation des fabriques de soie, développement de machines pour le travail du coton, dont la production est multipliée par 10 entre 1889 et 1899. Le système monétaire est réformé avec la création du yen en 1871, alors que se met en place également un système bancaire. Politiquement, le Japon évolue également vers une démocratisation à la demande de plus en plus de citoyens et de divers mouvements. 15 ans après les premières demandes initiales, une nouvelle constitution impériale est promulguée par le Tenno le 11 février 1889, mettant en place un parlement composé d'une chambre haute aux membres héréditaires et une chambre basse aux membres élus. Dès lors, les partis politiques entrent pleinement en jeu. À partir de 1870, tous les Japonais peuvent recevoir un nom, qui jusqu'alors était un privilège des samouraïs. La population durant les 44 ans de Meiji va passer de 30 à 50 millions d'habitants. L'armée aussi se modernise. La marine suit le modèle de l'Angleterre et l'armée terrestre celle de la Prusse grâce à des officiers instructeurs allemands. Au niveau des relations avec l'étranger, la mission Iwakura, conduite entre 1871 et 1873, est une mission internationale officielle en Europe et aux États-Unis, comprenant près de la moitié du gouvernement et ayant pour but de faire un pas pour réviser les traités inégaux et d'apprendre des institutions occidentales. Au retour au Japon, ils aideront énormément leur pays à se moderniser et à se transformer. Mais tous ces efforts du Japon vont enfin permettre, en 1894, de se sortir des traités inégaux. Mais la modernisation de Meiji va provoquer un fort déclin du statut des samouraïs. Dans les années 1870, de nombreux décrets gouvernementaux vont s'attaquer indirectement aux samouraïs pour réduire leurs privilèges. La création d'une armée impériale par conscription retirera également leur monopole militaire. Les allocations héréditaires sont abrogées et en 1876 sort le Haitorei, l'édit d'interdiction des épées qui ne laisse la possibilité de porter une arme qu'aux militaires et aux forces de police.
Tout cela va former un grand mécontentement dans la caste des samouraïs, qui monteront plusieurs révoltes. Beaucoup d'entre eux, nostalgiques de l'époque Edo, vont se réunir sous la bannière de Saigo Takamori, dans la province de Satsuma, et en particulier à Kagoshima. En janvier 1877, le gouvernement décide d'intervenir pour arrêter ce regroupement de samouraïs en train de s'armer dangereusement. En représailles, en février, Saigo attaque avec 40 000 hommes une caserne gouvernementale en faisant le siège de la ville de Kumamoto. Mais le gouvernement envoie près de 300 000 hommes les déloger. Même si les samouraïs se battent farouchement et tueront deux hommes pour un perdu, le nombre d'adversaires est trop grand. À la fin de la bataille, il ne reste que 300 à 400 samouraïs avec Saigo. La bataille finale n'aura lieu qu'en septembre. 30 000 soldats gouvernementaux contre 500 samouraïs. Face au trop grand nombre de pertes sous les bombardements au canon, les samouraïs font une ultime charge à cheval face à du fusil et des mitrailleuses Gatling. Tous seront tués et Saigo, gravement blessé, se fera aider d'un de ses lieutenants pour se faire seppuku. La rébellion de Satsuma est l'autre portion de l'histoire japonaise qui sert cette fois de contexte au film Le Dernier Samouraï. Désossés de tous leurs privilèges et de leurs armes, les samouraïs restants au Japon ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. C'est la fin de cette caste de guerriers qui aura dominé le Japon pendant près de 700 ans. L'héritage culturel des samouraïs fut décidé d'être préservé en 1895 avec la création du Dai Nippon Butoku Kai afin de perpétuer leur art ancestral. Entre 1860 et 1890, le Japon va fasciner la France puis l'Europe dans un courant artistique qui prendra le nom de japonisme. Les plus grands peintres vont s'inspirer de l'art japonais et des coutumes du pays, tels Manet, Whistler, Degas, De Jong, Tissot ou même Van Gogh et ses japonaiseries, qui reprendra à sa manière certaines estampes de Hiroshige. Le japonisme sera présent également dans la décoration, la littérature, la musique, la mode et les jardins. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle apparaissent les Budo, nouveaux arts martiaux japonais héritiers des techniques médiévales. Les plus connus des Budo sont les Karate-do, Judo, Aikido et le Kendo. C'est également à l'époque Meiji que remonterait l'origine de la conduite à gauche au Japon. Influencé par l'aide de l'Angleterre qui a notamment transmis sa manière de tout faire à gauche, chemin de fer et circulation automobile. Mais pour ce qui est de la marche à pied, les Japonais marchant également à gauche, cela remonterait bien avant, à l'époque des samouraïs. Le sabre étant porté à gauche, cela évitait que les sabres ne se touchent lorsque deux personnes se croisaient, ce qui aurait pu être interprété comme une agression. D'ailleurs, après l'interdiction du port du sabre, celui-ci devient un objet purement artistique. C'est le début des sabres dits Shinshinto. L'utilisation de multiples styles anciens et leur mélange provoque une très large variété de nouveaux sabres dans une recherche constante de créativité et d'originalité. La liberté de religion est reconnue en 1873. Les chrétiens n'ont alors plus besoin de se cacher. Cela permettra aussi à d'autres religions occidentales comme le protestantisme et l'église orthodoxe de s'introduire dans le pays.
Malgré tout, le christianisme, si elle est la troisième religion du pays, ne concerne actuellement que 2% des Japonais. En 1972, alors que les îles Ryukyu, dont font partie Okinawa, sont déjà sous occupation japonaise, l'archipel est complètement annexé. Au nord d'Hokkaido, le traité de Saint-Pétersbourg, signé en 1875 avec la Russie, détermine le partage de l'île de Sakhalin pour la Russie et de l'archipel des Kuriles pour le Japon. Diplomatiquement avec l'extérieur, l'ère Meiji sera la période où le Japon va commencer à faire ses premiers pas à l'extérieur, et en particulier à s'imposer en tant que puissance en Asie. Dès le début de l'ère Meiji, la diplomatie japonaise va jouer sur les relations avec la Corée pour essayer de la détacher de l'influence chinoise. Cela va conduire à la guerre sino-japonaise entre 1894 et 1895. Le Japon démontre au monde entier sa supériorité technique sur la Chine, qui passe pour un vieux pays malade. Sa victoire lui permet d'acquérir Taïwan et le droit de construire une voie ferrée en Mandchourie du Sud. Taïwan est ainsi la première colonie japonaise, le Japon se trouvant bon dernier dans la politique impérialiste jusqu'alors menée par les Européens qui ont conquis presque toute l'Asie. Le traité de paix stipule également que le Japon doit recevoir la péninsule de Liaodong près de la Corée. Mais une triple intervention diplomatique de la France, de la Russie et de l'Allemagne met le holà. Le Japon, malgré tous ses efforts, doit encore s'incliner face aux grandes puissances et renoncer à Liaodong. Dans les années qui suivent, le Japon va se rapprocher de l'Angleterre, qui est dans les bonnes grâces du Japon puisqu'elle ne faisait pas partie de la triple intervention. Cela aboutira, début 1902, au traité d'alliance nippo-anglaise, garantissant une neutralité en cas de guerre en Asie ou une aide militaire si plus de deux puissances attaquent un des partis. Cette alliance sera renouvelée en 1905. Peu après l'alliance, les Russes commencent à se retirer de Mandchourie avant de s'arrêter. La situation met le Japon sous tension. La Russie a des prétentions sur la Mandchourie et le Japon aimerait que la Russie reconnaisse les prétentions japonaises sur la Corée. Mais la Russie refuse et après un ultimatum japonais, la guerre est déclarée le 10 février 1904. Le conflit a une portée mondiale, les médias suivent l'événement de près alors que déjà se préfigure le style de combat dominant la guerre mondiale à venir. Le Japon écrase les Russes dans quelques batailles majeures et décime leur flotte. Le Japon sort victorieux mais épuisé économiquement de cette courte guerre. En 1905, la paix est signée et le Japon reçoit notamment la moitié sud de l'île de Sakhalin, possession qu'il a toujours aujourd'hui. Cette victoire d'un pays asiatique sur une puissance européenne est une première et soulève l'engouement des peuples asiatiques occupés. En Europe et aux États-Unis, on s'inquiète de ce qu'ils appellent le péril jaune. Le Japon prend définitivement une place majeure sur la scène internationale. Tous ces conflits et manœuvres diplomatiques n'ont qu'une seule source, faire valider aux puissances étrangères les prétentions du Japon sur la Corée. Et le Japon, petit à petit, va réussir à s'imposer dans le pays. En 1910, la Corée est un gros fruit mûr prêt à être cueilli. Tout le long travail diplomatique japonais est un succès total. Le 22 août, le Japon annexe la Corée sans le moindre combat et sans que personne n'y trouve à y redire. La Corée restera colonie japonaise jusqu'en 1945. Ainsi, durant les 40 ans de l'ère Meiji, avec les différents gains dus aux conquêtes et annexions, la superficie des territoires japonais va presque doubler. Kokokuda ! Dare ga ichi nishi ju itsu de moye ni aitetsu shimasu ka ? Umayudan ! そして、ミエル欲求的なコスプレイヤーを喜ばせましたか？うまいだん！ね、はぁ！お祭りにも誰が参加しますか？うまいだん、もちろん！話をやめて入っておいてください！うまいだん、いらっしゃいませ！お客様に愛される41種類のうどんレシピをぜひお試しください！あえてそれが気に入らないと言うなら、あなたは私のレストランから出ます。いただきます。私は最短に味を合う必要がある。それを良くする必要がある。よしは怖いです。マジか！それは絶対に神です。人生で最高の普段。さあ、みんな一緒にごちそうしましょう。Hi. Hey, Mayudan,
À la mort de l'empereur Mutsuhito en 1912, le Japon change d'air pour entrer dans l'ère Taisho du nom du nouvel empereur. Alors cette courte période de 14 ans verra passer la Première Guerre mondiale et une démocratisation du pays. Quand la Première Guerre mondiale éclate et retient les puissances occidentales en Europe, le Japon en profite pour affirmer sa présence en Asie. Le Japon attaque les possessions allemandes de Shandong en Chine et ses îles dans le Pacifique. En 1915, le Japon les récupère officiellement. En 1917, le pays signe une alliance avec les États-Unis qui reconnaissent les intérêts du Japon en Chine. Comme avec la Corée par le passé, le Japon tente d'influencer l'opinion internationale sur ses prétentions en Chine. Après la révolution russe et la chute des Romanov, Tokyo est en alerte. En 1918, le Japon fait une intervention militaire en Sibérie dans le cadre d'une coalition internationale. Quand la plupart des alliés se retirent en 1920, le Japon, lui, reste. Pour tenter d'apaiser le conflit, les bolcheviks encouragent la création d'un État tampon, la République d'Extrême-Orient, censé se placer entre les zones occupées par les Japonais et le reste de la Russie. Le Japon tente en vain d'influer sur cette république et finalement en 1922, il retire ses troupes sans aucun gain suite à cette intervention en Sibérie. En 1919, le Japon siège à la Société des Nations, mais en voulant défendre l'inscription de l'égalité des races, il subit une humiliation de l'Australie, des États-Unis et de l'Angleterre qui l'accusent de vouloir favoriser l'immigration japonaise, ce qui lui sera strictement refusé par les Américains en 1924. Le suffrage électoral universel pour les hommes est introduit en 1925, mais les premières élections n'auront lieu qu'en 1928. Partis communistes et syndicats sont créés dans les années 20. Le pays, qui n'a pas subi de plein fouet la Première Guerre mondiale, est en plein boom économique. C'est le début d'un large exode rural qui amènera à des croissances disproportionnées de certaines grandes villes comme Tokyo, Yokohama, Nagoya, Osaka, Kyoto et Kobe, dont la population va être multipliée par 4 ou 5 en peu de temps. En 1926, le Japon passe à l'ère Showa. D'une durée de 63 ans, il s'agit du règne le plus long d'un Tenno, celui d'Hirohito. Alors du coup, cette ère sera clairement divisée en deux parties, avant et après 1945. Suite à la Grande Dépression de 1929, le Japon est également impacté. Un nationalisme se développe dans la sphère militaire qui vont tenter de s'emparer du pouvoir. Ce qu'ils parviendront à faire progressivement dans les années 30, prenant l'ascendance sur le Tenno, le ministère et les partis politiques. C'est presque un retour d'un shogunat, une dictature militaire. L'ultranationalisme se répand dans le pays, ainsi que la propagande, la formation de la jeunesse à agir pour son pays. On rappelle également par ce biais le passé mythique du pays et l'irréductibilité du peuple japonais. En 1940, on fête en effet le 2600e anniversaire de la fondation de l'Empire du Japon par le légendaire Jinmu. Le Tenno est déifié, même si dans les faits, il est toujours respecté, mais a de moins en moins d'influence. Des voix d'opposition s'élèvent, mais ne sont pas écoutées. À la fin des années 30 apparaît la notion de la sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale, qui dépeint une Asie unifiée et dirigée par le Japon pour ne plus dépendre des Occidentaux. Alors cette idée du coup sera le moteur de la guerre d'Asie-Pacifique lancée par le Japon. Au début des années 30, le Japon envahit la Mandchourie, une région du nord de la Chine, et la déclare indépendante de la Chine. En 1932, le Japon y crée l'état du Manchukuo. Au regard de l'inspection internationale, il ne s'agit que d'un état fantoche, totalement sous la férule des Japonais. Ceux-ci trouvent en Mandchourie bon nombre de ressources dont ils ont cruellement besoin. Les relations avec la Chine resteront tendues, le Japon maintenant la pression de son armée de Chine au nord du pays. En 1937, il passe à l'offensive. L'avancée japonaise sera rapide et meurtrière.
les militaires japonais pratiquent de véritables massacres comme à Nankin où 40 000 à 300 000 civils sont tués. En face, la Chine nationaliste de Chiang Kai-shek et la Chine communiste de Mao leur font front commun. Pékin est prise ainsi que de nombreuses villes côtières dans les années qui suivent. Mais l'armée japonaise manque d'hommes alors que la Chine communiste mobilise la population. Le conflit s'enlise, le front s'enracine et s'avère ruineux pour le Japon. En 1940, 1 million de soldats japonais sont coincés en Chine et coûtent 4 millions de dollars par jour. Le Japon ne sait pas comment se sortir de cette situation. Alors le Japon change de plan, il décide d'aller chercher les ressources qu'il a besoin ailleurs et coupera les approvisionnements de la Chine. Les pays européens étant trop occupés en Europe contre l'Allemagne, en 1940, le Japon envahit l'Asie du Sud-Est. En septembre 1940, le Japon signe le pacte tripartite avec l'Allemagne et l'Italie afin de dissuader les États-Unis de faire la guerre. En juillet 1941, alors que les troupes japonaises arrivent au sud de la Chine, les États-Unis et l'Angleterre décrètent l'embargo général, ce qui peut paralyser le Japon. Les négociations sont vaines, le Japon est acculé. Il n'a plus qu'une seule voie de sortie, attaquer les États-Unis rapidement. Le 7 décembre 1941, afin de mettre à bas la marine américaine qui pourrait représenter une menace pour l'expansion japonaise, le port militaire de Pearl Harbor est attaqué par surprise. Le Japon comptait également sur cette attaque pour soumettre rapidement les Américains en leur proposant un traité de paix peu après afin de rester sur un non-interventionnisme américain. Mais cela aura l'effet inverse, le Japon réveillera le géant endormi qui s'engagera dès lors puissamment dans la guerre, autant dans le Pacifique qu'en Europe, changeant le déroulé de l'histoire. Mais les Américains mettront encore un peu de temps à se préparer et à réagir. En 1942, le Japon continue d'étendre son emprise sur toute l'Asie. Il atteint alors sa plus grande superficie d'occupation de toute son histoire. De la Corée à la partie orientale de la Chine, les Philippines et les Indes néerlandaises, l'Indochine française et la Birmanie britannique, la totalité de l'Asie du Sud-Est est sous contrôle japonais. Le pillage des ressources et l'exploitation des populations est systématique. Je ne vais pas revenir sur les détails de la guerre du Pacifique qui s'ensuivra. Les États-Unis reprendront petit à petit les territoires occupés par les Japonais jusqu'à menacer et attaquer directement les possessions japonaises. Le Japon sera massivement bombardé. Dès 1942, à simple fin de propagande et non militaire, Tokyo est bombardée et en grande partie détruite. Dès 1944, les bombardements sur le pays, qu'ils se font désormais au tout nouveau napalm, seront fréquents. Les maisons de l'époque, encore majoritairement en bois et en papier, s'embrasent facilement. 60 villes japonaises sont détruites. Vu l'horrible difficulté de la prise d'Okinawa et l'acharnement des militaires japonais à la défense, l'état-major américain estime qu'une conquête des îles principales serait extrêmement coûteuse en hommes et durerait probablement plusieurs années. Les Américains réalisent alors l'impensable. Le 6 août 1945, une bombe atomique à l'uranium d'une puissance de 15 kilotonnes est larguée sur Hiroshima. Elle fera près de 200 000 morts. Trois jours plus tard, le 9 août, une seconde bombe au plutonium et d'une puissance de 22 kilotonnes est lâchée sur Nagasaki et fait 100 000 morts. Le Japon est sous le choc. Le 15 août, le Tenno demande à son peuple de déposer les armes. La capitulation du Japon sera signée le 2 septembre. Malgré la capitulation, certains soldats japonais continueront à se battre par conviction ou par ignorance de la fin du conflit. À partir de 1947, 127 soldats nippons seront retrouvés sur différentes îles du Pacifique. Le tout dernier, Hiro Onoda, n'est retrouvé qu'en mars 1974 sur l'île de Lubang dans les Philippines. On fera venir son ancien officier pour lui donner l'ordre de cesser le combat 29 ans après la fin de la guerre. En 1945, le Japon rentre dans une nouvelle phase de l'ère Showa. Le Tenno n'est pas destitué par les alliés, mais tout pouvoir politique lui est complètement retiré. Ça reste simplement une figure cérémoniale. Alors les Américains, eux, resteront occupés le Japon jusqu'en 1952.
Doshitano? So nan desu, datebayo! Ceux-ci vont imposer une redémocratisation du pays et la mise en place d'une nouvelle constitution promulguée en 1946, toujours en vigueur de nos jours. Les frontières du Japon sont reculées à son niveau du début du siècle. L'article 9 de la constitution interdit au Japon de posséder une armée. Il ne peut avoir qu'une force d'autodéfense qui ne peut pas être utilisée à des fins offensives. Dans les décennies après la guerre, le Japon marquera une reprise économique spectaculaire, faisant de lui, à partir de 1968, la deuxième puissance économique mondiale derrière les États-Unis. En 2010, il se fera dépasser par la Chine. La population passera de 72 millions d'habitants à la fin de la Seconde Guerre mondiale à 127 millions en 2010. Mais de nos jours, le Japon est vieillissant et sa croissance démographique est négative. L'occidentalisation du pays aura un impact sur sa culture, notamment les comics américains qui vont fortement influencer les mangaka. En 1947, Osamu Tezuka publie le premier manga dit moderne. Le premier animé du même auteur sortira en 1963, il s'agit d'Astro Boy. Depuis, l'univers manga n'aura de cesse de croître et à devenir une part importante de la culture japonaise moderne, exportée à travers le monde. La France étant le second pays plus gros consommateur de manga, juste après le Japon lui-même. À la mort d'Hirohito, Akihito devient le nouveau Tenno et ouvre l'ère Heisei. Il se retira de lui-même 30 ans plus tard en 2019, laissant la place à Naruhito, 126e Tenno du Japon, ouvrant l'actuelle ère Reiwa. Les Ainu resteront discriminés encore longtemps. C'est seulement en 1997 qu'une union d'Ainu arrive à faire promulguer une loi garantissant la protection et promotion de leur culture. Ce n'est qu'en 2008 que le Parlement émettra une loi reconnaissant les Ainu comme premiers habitants d'Hokkaido et du Japon. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs désaccords diplomatiques subsistent entre le Japon et des pays voisins. L'archipel japonais Senkaku, à proximité de Taïwan, est revendiqué par la Chine et Taïwan. Les îlots de Liancourt, appartenant à la Corée du Sud, sont revendiqués par le Japon. Et les îles Kuril et Sakhaline, malgré la situation des frontières actuelles, ne sont officiellement ni au Japon ni à la Russie. Aucun traité de paix n'ayant été signé depuis la Seconde Guerre mondiale. Aussi surprenant que ça puisse paraître, le Japon et la Russie sont de facto toujours en guerre. Les relations entre les deux pays sont glaciales. Ces situations nuisent aux relations diplomatiques du Japon et aucune tentative ne semble désamorcer les désaccords. De nos jours, les Japonais considèrent les religions non comme une vraie foi, mais comme une pratique culturelle. Le Japonais embrasse donc plusieurs religions et philosophies au cours de sa vie. Naissant sous les auspices du shintoïsme, éduqué selon le confucianisme, il fait la part du bien et du mal grâce au taoïsme, se marie selon un rite shinto mélangé de rites chrétiens, participe aux fêtes shinto de son terroir et respecte les ancêtres et est enterré selon les principes bouddhistes. C'est ainsi que se termine cette vidéo sur l'histoire japonaise. Merci d'avoir suivi ce triptyque et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, ça fait toujours plaisir. Bon, mais moi je vais essayer de me sortir de là. Arigato gozaimasu. Sore ja, oyasumi nasai. Kono mori ni yurai ga deru no shite imasu ka? Iyeiyeiye. それは存在しません。いつまでも会えることなく友達でいよう。明日の日は夢見て希望の一を
Moshi moshi. Ano. Bonjour. Yamete kudasai. Watashi wa yamete kudasai. Voyons un peu ce que je trouve sur cette forêt. Je vais chercher dans les anciennes coupures de journaux. Ok, j'ai un truc. Alors ça date d'il y a à peu près un peu plus d'un an. Tragique accident lors d'une sortie scolaire. On suppose que la jeune fille s'est perdue et dans l'obscurité de la nuit serait tombée de la falaise. Cette jeune fille s'appelait Takatsuki. Takatsuki-sensei, watashi wa genshite kurete arigato. Jamasa renakata koto o negatte imasu. Iye, Kreigens-san. Sore ni iru tabi ni Yumiko ga shiawaze ni narimasu. Hai, kawaii da ne. Ne, Uni-chan. Shuppatsu shite iru no wa anto desu ka? Hai, Yumiko-chan. Chikai mata aimashou. Itsu watashi o bouken ni tsurete itte kuremasu ka? Sukoshi sei ga takai toki, Yumiko-chan. Watashi tachi wa chou na koto o suru. Hontou ni hontou ni? Yakusoku? Hai, yakusoku suru. Yahoo! Tsuyuki!
Nishishi. Ara ara, sayonara.